Semaine qui passe là, le secteur démocratique et populaire a sous bénéficié d'une campagne de publicité. J'ai l'impression, même si nous avons gagné 2 millions de dollars américains, nous n'avons pas fait campagne de publicité ça pour sa présidente. Depuis le secteur démocratique a sorti notre nid, dans sa peau, pas l'empire, le secteur démocratique ceci, le secteur démocratique cela, l'empire, la télévision, on a pu sur Facebook, les réseaux sociaux. Franchement, pas un bon grand passé. C'est comme si le secteur démocratique a seulement existé. Moi, toute partie politique descend dans le grand sud, il y a solidarité. Tout leader politique descend. Et le tremblement de terre a fait face, il y a des gens qui disent « Ah, le secteur démocratique, c'est manifestation seulement qu'on fait. » On dit « Blam !» Nous mettons pieds à terre dans le département. Ça fait 12 mois de temps, est-ce que le secteur démocratique n'a pas un bagage spécial? Tout le monde descend, il faut vous est-ce que le descend dans les pommes? On ne comprend rien de passer là. Son véritable campagne de publicité. Nous devons avoir 2 millions, nous allons payer pour faire campagne ça pour nos SDP. C'est les journalistes qui nous ont servi. Et je dis à le secteur démocratique et populaire à penser à tout le monde qui est victime de quatre gros batailles qui sont menées là. Bilan lourd, plus de 1500 personnes. Prend soin dans l'hôpital Ben Ameuse. Sorti 2018, passé 2019, rivé 2020. Tout ville ça y est, tout l'argent ça y est. Le seul monde qui peut payer, c'est le secteur démocratique et populaire. Voilà. Le bilan est là. Nous avons plus passé 1000 personnes qui passent dans la prison. On bande qui libéré. Depuis mon en prison, on seul mon y a brûlé. C'est le démocratique. Nous gagnons plus de 600 personnes qui ont assassiné dans le massacre Belle, la Saline, Delma 32. Nous avons assassiné dans la manifestation dans tout le pays. De pourtant, nous avons eu un bal, les mourir, les familles dans la radio. C'est démocratique et populaire. Tout le bagage ça y est, c'est le secteur démocratique et populaire. Ça fait m'estimer qu'il y a des gens qui cherchent en pile, en pile, en pile. Bataille politique faite. Il y a des gens qui prennent des responsabilités. Il y a des gens qui victimes. Des gens qui sont en bas à bando. Les gens qui ont été pour les bons matériaux, ils ont besoin de solutions. Qui bon? Qui bon? Ce n'est pas possible. Soyons honnêtes. SDP ne peut pas mettre bataille là. C'est le peuple qui cherche la bataille. Bataille là, c'est bataille peuple là. SDP accompagne le peuple là. SDP n'a pas le droit de la grosse tête. SDP n'a pas le droit de penser capable d'imposer des solutions pour col. Mais mes amis, pour qualité de bataille ça, pour les gens qui sont en bas de la bande, levons le matin, ils veulent avoir une solution, il faut que je cherche en pile. Comment est-ce pas capable? De m'estimer que je cherche en pile, en pile, en pile. Vous comprenez? Nous n'avons pas la grosse tête. Nous n'avons pas l'autre monde qui doit avoir la grosse tête. Parce que le pays n'est pas pour nous. Le pays c'est pour 12 millions d'haïtiens. Est-ce que le pays n'a pas le droit d'avoir une solution pour vous? Je tiens à travailler avec tout le monde pour nous trouver une solution consensuelle. Parce que nous, le pays n'est pas pour nous. Est-ce que le pays doit dire, mais ça couvert? Est-ce que obligé de travailler avec les paysans? Il faut nous travailler avec la diaspora. Il faut nous travailler avec notre parti politique. Il faut nous travailler avec l'organisation de la société civile. Là. Nous parlons avec Marché pour la vie 50 fois déjà. Il faut nous travailler avec M. Ariel Henry. Est-ce que pays obligé de travailler avec le pays n'a pas pour nous? Il faut nous avoir humilité, il faut nous avoir sagesse. Et de pas comprendre qu'il a imposé solution pour vol. Mais mes amis, mon qui va pas faire pas comprendre qu'il y a une bonne solution sans mon qui t'a bataille. Ça n'a aucun sens. Je lance un appel à la sagesse, à l'humilité de tous les acteurs de la vie nationale pour nous joindre une solution consensuelle. SDP pas besoin de président. Bon, monde qui bat dans la bataille besoin de président. Ça m'a compris. SDP pas besoin de mettre premier ministre. Bon, monde qui bat dans la bataille du tout, il y a besoin de premier ministre. Bon, ça n'a pas expliqué là. Ça nous connaît. Mais franchement, je veux comprendre, expliquez-moi. Nous-mêmes, nous
nous fait petit compte tout petit, nous dit on nous fait un bagarre à tout le monde. Au monde qui va dans la bataille du tout, il y a une solution. Mais ce n'est pas sérieux. Comme l'aurait dit le professeur Maniga. Alors, solution à ensemble pour nous joindre. Personne n'a pas le droit de la grosse tête. Personne n'a pas le droit de chercher et imposer une solution pour le monde. Ça, son message sagesse, son message humilité, SDP pour le bail, tout acteur politique, tout acteur de ce qu'on a. Une bonne nouvelle pour annoncer. Matin, on parle avec Ronnie Collin, PDG Radio Zénith FM, dirigeant secteur démocratique. Sérieux. Original. On parle avec lui matin, hein? Il dit, cousin, dis population pour moi. 10 amis pour moi, militants, 4 secteurs démocratiques et populaires. Dis et ta santé à améliorer. Bravo, bravo, bravo. Et ta santé. Et ta santé, et ta santé magistrat Onicolin a amélioré. Il a amélioré grandement. Il presque fin rétabli totalement. Et pour un jour qu'il fin là, magistrat Onicolin a rentré Port-au-Prince pour venir continuer la bataille pour la population. Il te dit, pour me dire, mon quoi de bouquet au sable. Ok? Il connaît Abtonni. Et ta santé améliorée. C'est le docteur qui m'a dit pour faire un campo sous affaires politiques. Mais il était dirigeant SDP, il était membre SDP, même j'en ai dit, non, dernier la parole, il devrait dans Radio Zénith avant hier d'entrer matin. Alors la fini, ok, il commence bon, il presque fini bon. Ok, avant longtemps la fini, il me pourrait qu'on arrange nous, nous, allez, mais ça fait longtemps, nous parlons frère, il te prend Corona, il bataille à Corona, ensuite il est malade, il est pratiquement à 90% rétabli. L'état de santé de Maïssa Onicolin s'améliore grandement, il est pratiquement rétabli. Avant longtemps, il a fini en Haïti. Participation diaspora, secteur démocratique, la bataille. Et c'est sa différence qui gagne. En secteur démocratique, et l'autre. Lorsqu'on a bataille, on va mettre président. Parce qu'on est bon loyer le président. Depuis le montant, loi ça part descendre. Loi ça part descendre. Elle ne peut pas que le président vienne faire mettre. Elle ne peut pas chercher à mettre premier ministre. C'est revendication peuple là qui est un accord politique. Et revendication peuple là, c'est participation diaspora. Dans le conseil électoral qui va venir là, il faut que diaspora pour représenter la gueule. Ah oui? Mais ça qu'est ce que c'est? Ça fait un rail, hein? Ça fait un rail. Dans le conseil électoral qui va monter là, SDP rencontre tout acteur politique et nous dit, faut que diaspora bon membre dans le conseil électoral. Ça, c'est important. Nous dit deuxièmement, dans l'élection qui va le faire, pas dans le fin année, ça, pas bien l'élection en fin année, on sera réunis. Non, l'élection va le faire. C'est ça, faut que diaspora au moins vote dans l'élection présidentielle. Mais ça, SDP, c'est ça lié. Nous marier avec le peuple là. Nous dit, votre conférence nationale la fête, votre débat national ça. Faut discuter sur la constitution. Et ça, qu'on a un accord politique là pour nous, qui est important pour nous. Nous ne pouvons pas nous limiter. Accord politique là, il faut les revendications du peuple là. Accord politique ça, faut le permettre que la sécurité dans le pays là. Parce que depuis 7 juillet 2021, ils ont assassiné le chef gang là, il est. Le peuple pour le pays a de sécurité. 7 juillet 2021, ils ont assassiné le chef gang. Je dis, le moment arrivé pour l'État de la sécurité dans le pays. Massacre la saline vers la cité soleil. Fort bagay sa yo. Dans l'accord politique là. Libération prisonnier politique. Petro Caribe. C'est ça qui est important pour le secteur démocratique et populaire. D'accord? Alors, bataille secteur démocratique là, c'est ça. Mais bonne question, je voulais répondre là. Il y a des gens qui disent que son gouvernement bicéphale. Il y a d'autres qui disent que c'est pas. Bon, SDP même lui dit bicéphale. Il y a des gens qui disent que c'est un conseil national de gouvernement. Bon, est-ce que c'est tricéphale pour lui? Pourquoi il dit non, bataille? Le pays a un contexte particulier. Tout ça, on fait là pour un accord politique nouvel parce que la constitution n'a pas qu'à appliquer dans cette situation. Comment ça vient pour le peuple là? Ce n'est pas bicéphale, monocéphale, tricéphale, conseil national,
200 balles. Ça plus important pour le peuple là, c'est revendication du peuple là qui nous a encore politique. Ça plus important pour le pays là, c'est l'argent l'État pour nous suspendre voler. Ça plus important pour le peuple là, c'est pour ça que pour arriver. Ça plus important pour le peuple là, c'est sécurité. Ça plus important pour le peuple là, c'est prisonnier politique. Ça plus important pour le peuple là, c'est pour l'État payer tout professeur à l'école dans le pays là. Pour l'école capable d'ouvrir correctement. La vie chère. C'est plus important pour le peuple là. C'est la vie chère qui nous baissait. Et nous-mêmes, SDP, SDP, nous avons une revendication, nous faire bac sous. Mais revendication du peuple là, nous ne pas faire bac sous. Je dis à ma poétine encore, Jean-Luc a bien dit. Nous demandons l'État haïtien pour lui faire un geste spécial. C'est pour l'État haïtien porter support. By tout employé l'État. Dans le département sud, dans le département nip, dans le département grandance. Pour que les gens soient capables de faire face à rentrer à l'école. Qui sont professeurs, qui sont policiers, les gens qui travaillent dans l'organisme autonome, dans le ONA, tout l'autre, depuis dans trois départements, c'est pour l'État qui prend responsabilité. C'est pour le ministère des Finances qui prend responsabilité. Et c'est ça qu'est le SDPA. D'accord? Alors le message, c'est quoi? On a continué la bataille. On a continué le travail pour un accord politique. SDP n'a pas la grosse tête. SDP n'a pas un président qui veut imposer. SDP n'a pas un premier ministre qui veut mettre. SDP a besoin d'un accord pour nous capables de tenir compte de la revendication du peuple. Et nous avons des partenaires importants dans l'accord politique. Partenaires qui sont importants aujourd'hui, c'est un groupe de société civile qui marche pour la vie. Vous avez dit marcher pour la vie, nous plus habitués à dire monsieur ça, monsieur d'Absa. On est dans la rue avec vous, nous prenons le gaz avec nous, nous plus travaillons avec vous. Hier nous travaillons avec vous, mais l'autre commission a plus passé 40 jours, nous ne pouvons pas laver, nous ne pouvons pas nous abrir. Chargez-vous. D'accord? Et c'est ça que fait, nous allons signer et comment. À quoi nous ne pouvons pas nous allier. Nous ne pouvons pas trouver ça au tableau laboratoire, mais nous là-dedans, nous ne pouvons pas reconnaître. Mais nous travaillons en pile avec Marché pour la vie. Et si vous voulez travailler avec nous, nous travaillons avec vous parce que nous n'avons pas la poste. Nous voulons travailler avec vous. Nous travaillons avec les signataires du protocole d'entente nationale. Les DIPOD, FND, MTV et tout le monde. Nous travaillons avec Diaspora. Nous parlons tout avec M. Ariel Henry. Il faut avant longtemps nous payer un accord politique. Nous débattons 7 jours. 7 jours, c'est 7 jours francs, 7 jours francs, c'est 9 jours, et nous pouvons, rapide, nous allons payer un accord politique pour nous débloquer tout ça. Mais ma petite bagaille, on ne peut pas attaquer SDP, on va suspendre. Parce que SDPA, c'est loco, bassillé, tête en place. Le monde monte, on dit, ah bon, on est SDP, on prend comme ceci, on prend comme cela, on fait ceci. Loco, bassillé, tête en place. SDP pas prendre l'intimidation. Et c'est ça que fait. On a cherché pour nous tenir un produit pour nous porter dans le sud avec notre grandeur. Bye, peuple là! Population. Suspend attaquer SDP. SDP, c'est l'eau qu'on va s'y être en place. Les gens qui ont attaqué SDP, c'est les gens qui sont compétiteurs politiques SDP. C'est politiciens, mesdames, qui ont caché dans la société civile pour qu'ils aient un pouvoir qui besoin d'intimider, qui besoin de classer SDP. Bien compté, cela ne marchera pas, cela ne passera pas. SDP solide, donc on rock et nous ne pouvons pas le peuple à mentir. La bataille de la transparence. Tout ça ne fait, la petite peuple à mentir. Tout mettez ça, saluez amis la presse qui là. Merci en pile la presse pour ouverture de l'activité secteur démocratique là. On a assuré depuis tantôt 5 ans environ. Nous toujours présents, nous dans la rue avec nous, gaz c'est pour nous, balle c'est pour nous, en pile dans nous tomber, secteur démocratique là, pas qu'à oublier contribution la presse, dans couverture activité LIO et dans informer population sur ce qui a passé en dans le pays et particulièrement sur l'activité secteur démocratique là. Peuple haïtien, secteur démocratique là, vindou. Nous avons commencé la bataille là ensemble depuis environ 5 ans.
Bel Air de la bataille là, Cité Soleil de la Donne, La Saline de la Donne, Solino de la Donne, Kafoufei, Tokyo, Matissan de la Donne, Kafou, Raboto, etc. Particulièrement, en tant que canapé vert, nous sommes là, Pétionville était là, Delmas était là, Simon Pelé était là, nous tous nous répondons. C'est le temps démocratique qui vient de dire. De commencer la bataille avec vous, de continuer la bataille ensemble avec vous. Et chaque pas que le secteur démocratique l'a fait, vous mettez pour ne pas ça, vous faites en considération, ça vous voulez le faire. Mais le papa fait vous parle. Il ne peut pas aller chita dans un petit groupe, dans un petit hôtel, pour prendre une décision pour aller à l'encontre de l'intérêt. Parce que vous connaissez la bataille, ça, c'est la bataille pas. Vous êtes là sans couler. En pile dans nous tomber. Le secteur démocratique l'a aidé dans l'enterrement. En pile dans nous. En pile dans nous prend balle. Le secteur démocratique l'a été là pour côté nous. Gaz, ce n'est pas parler. Persécution politique, tribord babord. Arrestation, jusqu'à présent. Nous gagnons une quantité de camarades politiques. Cap en prison politique. Secteur démocratique, la vie nous fait au songer. Nous pas oublier, nous continuer la bataille. Pour nous sortir de l'Europe, pour nous continuer l'activité de militation, l'activité d'accompagner la population dans la bataille, dans la tribulation, la mener pour arriver à un changement réel dans le pays. Nous gagnons une pensée. Nous gagnons une pensée spéciale. Pour. Famille nous, les amis nous, population dans le grand sud là. Plus passé 2000 sont morts en bas de tremblement de terre. L'économie département ça a ravagé. Paquet de cas écrasés, paquet de bêtes perdues, jardins perdus. Population dans le grand sud là, yo à bout. Yo pas qu'on est côté pour frapper tête. Je dis, secteur démocratique la vie lancé un appel solidarité en faveur moun nan grand sud là moun nan nip moun nan sud moun nan grandance moun nan toute section communale nipio dans toute section communale sud et grandance nous vinn demander l'état pour redoubler l'effort pour montrer le plus présent dans accompagner population ça qui perdu toute bagaille. Nous venons lancer un appel à solidarité de l'État vis-à-vis des employés de l'État dans le Grand Sud. Employés dans tout niveau dans l'État, que ce soit professeur d'école, que ce soit personnel médical, que ce soit monde qui travaille dans l'agriculture, que ce soit policier, mais employés de l'État en général, dans le Sud, dans le NIP. Nous venons demander l'État à la veille ouverture l'école parce que malgré les Haïtiens, pas ouais, côté pour le monter, côté pour le descendre, pour le voir visiter l'école parce que dit l'école va l'ouvrir. Mais le Grand Sud là, c'est sa birette. Nous demander l'État pour le penser à une subvention particulière employer l'État dans le Grand Sud là en général. Nous espérons que l'État a ramassé appel à ce secteur démocratique l'affaire pour le monde dans le grand studio. Et c'est une raison fondamentale qui mène nous aujourd'hui à la vie de la conférence pour nous dire que le monde dans le grand studio, rapidement, dans une semaine ou plus, l'État haïtien doit porter une subvention par employé dans le grand sud et doit redoubler effort pour nous sortir. Action la fait pour aider les gens dans le grand sud de la retraper sous des pieds. C'est dans la démocratie là, depuis un mois et environ trois semaines, après l'assassinat qui était fait sur Jovenel Moïse là, nous n'avons pas dormi dans le marché contre les gens dans le parti politique. Moun nan société civile là, moun nan diaspora, pour nous capable garder qui solution haïtienne pour nous porter
dans la crise ça qui paraît devant nous. En pile, le monde reproche cette dernière occasion là, il dit nous devons bailler solution déjà, ou bien l'opposition devons bailler solution déjà. C'est le moment encore pour nous rappeler chaque monde. Il y a un coup d'État qui fait pour Jovenel, secteur démocratique là, pas de coup d'État. Lors pas de coup d'État, le pouvoir va tomber dans la main. C'est le monde qui te fait coup d'État, yo, qui ramasse le pouvoir coup d'État. Donc si c'était nous-mêmes qui devons Jovenel aller, dans la condition de devoir aller, longtemps, solution à la crise qui t'a fini, nous avons déjà. Baille la population est déjà en application l'autre dans ça. Secteur démocratique là, je vous dis, pas chômé dans la discussion avec structure politique, parti politique. Dans ce sens, ça, secteur démocratique là, a travaillé avec les gens qui signent le protocole en tant que national, qui devait mettre le sénateur Lambert comme président, qui devait mettre Ariel Henry comme premier ministre. Nous continuons la discussion avec vous. Le secteur démocratique là a continué à discuter avec les gens qui n'ont pas signé le protocole d'entente. Parce que chaque groupe signataire, ça a un président qui veut bailler et autour de président, ça a des bagailles particulièrement. Le secteur démocratique là travaille en pile avec la société civile. Là. Hier encore, nous avons gagné une rencontre avec Marché pour la vie. Marché pour la vie, c'est un organe de la société civile là, qui a gagné jeter un gens dans tête li avec diverses amis dans la société civile. Le secteur démocratique là était supposé pour une rencontre hier avec la commission qui dit qu'il cherche une solution haïtienne à la crise là. Qui vient la donne Madame Bagali Gomodeni, qui vient la donne Madame Bagali George, qui vient la donne tête syndic pour citer ça seulement. Malheureusement, c'est que la démocratie la déchita à l'heure convenue, au lieu convenu, attend responsable comité société civile ça au dernier moment. Yo même ont été commandés en compte ça. Parce que dès qu'on attend yo, ils nous disent non, pas Cavini. Sont l'autre côté pour aller alors que nous avons plusieurs rencontres toute journée. C'est une journée marathon de travail pour arriver à retirer le pays à l'impasse qui est là, retirer le pays à la crise qui est là. Le secteur démocratique a été tenu à informer nous de ça. Et nous continuons à travailler avec la diaspora. Je dis à un moment arrivé, pour la diaspora n'a pas seulement servi comme vache à lait, parce que la principale force économique qui kembe le pays, ça. C'est diaspora nous, parce que la majorité du peuple ne va pas faire rien. Quand vous avez tout nous déjà, c'est pas tout. Mais pour nous, à un moment arrivé, vous avez joué un rôle plus actif dans la politique pays. Et le secteur démocratique là, vous avez garanti par la diaspora pour nous dire, tout côté nous, nous même avons goûté pour l'intégration dans la politique pays pour jouer un rôle comme ça doit, pour toute compétence diaspora capable de servir le pays comme ça doit. C'est la démocratie là, chita tout avec Dr. Ariel Henry, l'occupant de la primature. Nous devons sous table ça là, nous devons un rapport de première rencontre nous devons faire avec Ariel Henry. Je dis à là, nous devons un rapport, l'autre rencontre qui fait avec Ariel Henry. Discussion qu'a fait avec Ariel Henry, même j'ai discussion avec structure politique et sociale, nous pourrons jouer un rapport détaillé sur l'état d'avancement de cette discussion. Le SDP est synonyme de transparence. Exact. Et nous voulons continuer à jouer le jeu de la transparence avec vous même peuple haïtien. Nous ne pouvons rien rien pour nous cacher. Nous ne pouvons rien pour faire battre. Et quelle que soit la position que nous prenons, c'est pas la position pour aller dans l'intérêt, mon La Saline, mon Delma, mon Bélé, etc. Nous-mêmes qui mettons bataille ça. Libération prisonnier politique, nous sommes dit déjà. Le procès Petro-Caribé, la conférence nationale, des mesures de sécurité pour permettre aux gens capables de vaquer régulièrement l'occupation. La lutte contre le kidnapping pour finir avec bagaille ça. Victime massacre pour ne pas oublier la famille. Victime, ça qui est mouru, ça qui est blessé. Fois ça,
pour famille rejoindre en considération de l'État. Nous pas oublier ça. Et c'est ça pour nous qui pourrait déterminer côté pour le secteur démocratique la pour dans quel accord le secteur démocratique va se retrouver. Mais de toute façon, chers amis, nous avons lancé un appel dans les NIP. Le secteur démocratique, la TNTI, il y a un acteur politique et social. Une semaine. Et nous avons baptisé cet appel le cri de l'ensavo. Et ce cri demeure. Le bon semaine. Pour pas le peuple à un résultat. Sinon, le secteur démocratique, la décision la mieux appropriée pour le peuple haïtien. Merci.